Le dessert du jeune artiste photographe Samy continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Au milieu du florilège d'analyses de tout genre, le docteur Aimé Boni prend la parole dans un direct sur sa page officielle pour éclairer l'opinion publique. Il dit « L'hôpital de la CNPS ne fait que récupérer un cas désespéré malgré le fait qu'il était en forme. J'ai un cousin orthopédiste à la caisse qui a vu Samy arriver à la réanimation. Il m'a raconté tous les va et vient de cet événement. Ce monsieur est bien arrivé à l'hôpital sans difficulté, comme le dit ce rapport. Mais en tant que médecin, j'ai envie de vous dire qu'il se passait déjà quelque chose dans son organisme à cause du retard de la prise en charge. Traumatisme de la voie publique, fracture fermée d'un os long. Quand on a une fracture surtout, une fracture fermée, on peut mobiliser la graisse qui est à l'intérieur de l'os, mais s'il y a effraction des veines, cette graisse va rentrer dans la circulation sanguine jusqu'à se retrouver au niveau des poumons et donner l'embolie pulmonaire graisseuse. Et maintenant, si le médecin qui va vous opérer tardivement ne tient pas compte de ces paramètres, l'opération va réussir, mais le matin, vous aurez des problèmes, surtout des difficultés à respirer, qui vous conduira à la mort. La graisse a commencé à entrer dans son sang depuis Kribi, quand il faisait des mouvements. Que la famille fasse l'autopsie et ils verront cette graisse. La dame Karimo peut dormir tranquillement. Moi, à la place de cette femme, je réclame des dommages et intérêts à cette famille, déclare le docteur Boni. Cependant, d'autres versions les plus insoupçonnables émergent et prêtent encore plus à la confusion. Comme cette bagarre qui aurait mal tourné et qui serait à l'origine du drame. Les fins lumières de la Légion du Centre qui enquête dans cette affaire, qui tient l'opinion en haleine, finiront par faire la lumière et établir les responsabilités. Merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. À bientôt pour une nouvelle vidéo.